Bonjour à vous mes clochettes et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune prochaine sortie de calendrier de l'Avent, unboxing et vidéos en tout genre. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation du calendrier Rituals, donc le plus gros. Vous avez différents formats que je vous mets à l'écran. Concernant ce calendrier, je n'ai pas trouvé de code promo actif dessus. Par contre, ce qui est très bien, c'est que grâce à l'application Joco, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Lors de votre achat, si vous activez l'application, ça vous rembourse en fait, je crois, 13 euros de mémoire de cashback. Donc, c'est juste énorme sur un calendrier de ce type. Là, vous avez vraiment le format le plus gros avec beaucoup de full size à l'intérieur. J'ai déjà un petit peu monté le décor. Alors, il y avait des petites lumières également à mettre que je n'ai pas mises moi pour le moment, hein, parce qu'il fallait que je fasse cette vidéo. C'est sous format petite loupiote, comme ça, vous avez des piles à mettre. Il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à mettre. Vous avez des petits trous, je ne sais pas si vous voyez là. Et vous avez ça en fait, un espèce de montage pour les mettre dedans, faire l'espèce de montagne. Ça ne rentrait pas. En tout cas, je suis trop excitée de vous présenter ce calendrier. C'est un calendrier que je prends tous les ans et que je vous recommande. J'adore moi la marque. Si vous voulez la découvrir, ben, du coup le calendrier c'est juste parfait, ou la redécouvrir. Parce que dans ce calendrier, vous allez avoir des exclusivités également. Si ma mémoire est bonne, pour tous les dimanches, nous avons une petite bougie de la collection privée. Allez, let's go, c'est parti. J'ai trop hâte de déballer tout ça avec vous. Quand j'ai reçu mon colis, ça sentait extrêmement bon, à tel point que je me suis dit, mon Dieu, il y a un truc qui a coulé dedans. Mais en mettant les petites cases, je n'ai pas eu de cases mouillées ou autres, donc on va croiser les doigts. Normalement, ça devrait être bon. On commence immédiatement avec la case numéro 1. Ce qui est super avec ce calendrier, c'est que c'est un 3D, comme vous pouvez le voir, et on a un village de Noël. C'est tout simplement canon. Est-ce qu'on a des inscriptions? Oui, The First Sunday. Donc, vous avez pour chaque case des inscriptions sous le dessous de la case. Et donc là, ça doit être forcément une bougie. On va découvrir ça de suite ensemble. C'est un calendrier que vous allez pouvoir réutiliser. Pourquoi pas mettre sous format crèche, sous votre sapin. Donc, nous avons dans la première case, effectivement, une petite bougie, la Smooth Violette de la collection privée, comme je vous disais. Et ça sent extrêmement bon. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Oh, j'adore. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je le vois derrière vous là. Mais lors de ma commande, j'ai craqué également pour cette mousse de douche. C'est quelque chose que j'ai pris en plus du calendrier. Et c'est la collection, on va dire limitée, Ritual of Yosakura, donc vous avez du riz noir et de la cerise. Je ne l'ai pas encore testé, donc ça, il faut vraiment que je le teste. Et j'ai également pris un parfum de voiture. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Bon, c'est une petite aparté dans le calendrier Luxury Car. Et ils font également des sprays de voiture. Et là, c'est la senteur Wild Fig. C'est une senteur que j'avais découvert dans le calendrier de l'an dernier. Justement, on avait reçu une petite bougie de cette senteur qui sentait mais super bon. Donc là, une nouveauté. Enfin, il me semble, quoique, peut-être qu'on l'avait déjà dans le calendrier de l'an dernier. Mais en tout cas, elle sent vraiment super bon. Pour la case numéro 2, elle est assez lourde. Donc, nous avons des cases dorées et rouges comme ça. Enchanting the Sense. Je vais vous épargner mon anglais parce que c'est dramatique. Il n'y a rien à faire. Vraiment, j'essaye, mais il n'y a rien à faire. Et nous avons à l'intérieur... Ah, ça, c'est super. Vous savez quoi? J'en avais plus. Je l'ai terminé hier. J'en avais un de chez Yves Rocher dans ma salle de bain. C'est un gel lavant pour les mains. Precious Amber, il sent extrêmement bon lui aussi. Nous avons un format de 110 ml et... Ah ouais, ça sent l'ambre mais vraiment à fond quoi, ça sent super bon. Oh, alors ça j'adore, c'est trop bien. Alors on va recevoir autant des produits maison, corps, parfois cheveux si ma mémoire est bonne. Et... de temps en temps, on a également du make-up, souvent un petit rouge à lèvres. Sans plus tarder, nous passons à la case numéro 3, qui est aussi assez lourde. Twinkle Twinkle, spicy composition à ylang ylang, patchouli, vétiver et des notes riches d'ambre. Voilà ce que j'arrive à traduire. C'est un format qui m'a l'air d'être assez gros. J'ai pas envie de casser mes cases, ça m'embête. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Je vous fais bouger de tous les côtés.
Et nous avons de la même gamme, et ben nous avons un baume pour les mains. Donc Precious Amber également. Et nous avons ces 20 millilitres, 85 millilitres. Pour ce format, donc même odeur, donc c'est bien. On a un petit combo. Alors là, je remets tout dans mes cases parce que celui-là, ouais, quoique je sais pas si j'arriverai à me garder jusqu'au mois de décembre. On verra si je tiens. Case numéro 4, les formats sont assez généreux, mais bon, en même temps, on est sur le calendrier le plus cher. Christmas Glow. Ah, je vois masque, gel masque, achat, exfoliant. À laisser poser 15 minutes. Oh, j'espère que c'est pour les cheveux. Alors, c'est tellement bien accroché. J'ai pas envie de détruire mes cases, encore une fois. Voilà. Oh, j'espère, j'espère. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est dingue! Bon, alors ça, c'est une première. J'ai un petit sablier. C'est beau. En plus, on a une poudre dorée à l'intérieur. Oh, c'est trop beau. Et nous avons le masque qui va avec. Donc, quand le sablier est terminé, c'est qu'il faut enlever votre masque. C'est de la gamme Ritual of Namaste, le Rene Wingasha Glow Mask. Donc, c'est un masque pour le visage, hein, vous l'aurez compris, à laisser poser 15 minutes. Nous avons 15 millilitres. Oh, je ne connais pas du tout, je suis trop contente. Ouais, ça sent trop bon. Ça sent vraiment super bon. Ouais. Ça, j'ai bien hâte. Alors, j'ai l'impression qu'on a des mini grains. C'est une exfoliation qui va être assez douce, je pense. La case numéro 4, franchement, elle était incroyable. Nous passons à la case numéro 5. Refreshing Touch. Ah, The Ritual of Sakura. Antiperspirant. Trop bien! Alors là, vous savez quoi, je suis ravie. Pareil, j'arrive au bout de mon déo. Alors ça c'est génial, mais ça c'est fantastique. Un antiperspirant, c'est un combo d'un déodorant et d'un antitranspirant. Donc à la fois anti-odeur et antitranspirant, c'est génial. C'est au lait de riz et aux fleurs de cerisier. Regardez, ah ça c'est top. Oh, je regrette pas du tout pour le moment ce calendrier. Je suis trop contente. Tous les ans, franchement, je le prends et je suis ravie. Nous avons un format de 150 millilitres et c'est un format spray. J'ai eu du mal à trouver ma case numéro 6, Christmas Gamme, avec de l'hydratation et des senteurs exotiques florales. Oh, ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça peut être? Alors là, mousse de douche. Ah non, une crème. Ah oui, c'est de la gamme The Ritual of Karma. Elle sent très bon. Vous avez du thé blanc et de la fleur de lotus dedans. Et c'est un masque de nuit pour le corps. Trop bien. On a vraiment des nouveautés hein, dans ce calendrier. C'est top comparé à l'an dernier. On a 40 millilitres. Comment ça s'utilise? Est-ce que c'est noté? Non, masque de nuit pour le corps. Bon, j'imagine que c'est une crème corps, hein. À voir, mais cette gamme, je l'adore. Franchement, elle sent super bon. Case numéro 7, nous avons un petit sapin. Je trouve ça trop canon. Franchement, il se gave sur les packagings tous les ans. The Finishing Touch. 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 The Finishing Touch. Je crois qu'on dit comme ça. Ah, la collection Amsterdam. Elle est dingue. Elle est dingue. J'ai un spray d'intérieur comme ça. D'ailleurs, je cherche absolument le spray d'intérieur, le parfum d'intérieur de la gamme violette que je vous ai présenté tout à l'heure, le produit en plus que j'ai pris. Si l'une de vous le revend, je suis preneuse. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être, je vois, Body Mist. Donc, c'est un parfum pour le corps à tous les coups. Je vais vous dire ça de suite. Ouais, ça doit être les petites brumes pour le corps. Ouais, c'est ça. Je la connais. Elle sent vraiment super bon. Cette gamme, elle est hyper luxueuse. Ça sent, désolé, le propre. Mais vous avez ce côté vraiment ambiance luxueuse qui sent super bon. Je sais pas ce que vous avez à l'intérieur. Amsterdam Collection, brume légère pour le corps. Et nous avons là 20 millilitres. Case numéro 8, nous avons une petite maisonnette enneigée à nouveau. The Second Sunday. Ah bah c'est une bougie. Ok, le second dimanche. Je vous disais, tous les dimanches, on a une bougie. Je trouve ça trop sympa, moi qui adore les bougies. En plus, elles sentent trop bon. Ma mère était tombée folle amoureuse d'une des bougies du calendrier de l'an dernier que je lui avais donné. Et ben voilà, justement, mon parfum de voiture Wild Fig. Ça sent super bon. Vous entendrez là, figue sauvage. C'est une pépite. Vraiment, cette odeur, elle est divine. Je vous la conseille si vous ne la connaissez pas.
Elle est à tomber, vraiment superbe. Ça me fait penser à ma commande. J'ai également eu droit à un cadeau lors de ma commande et j'ai choisi ce que vous pouviez choisir. Une lotion pour les mains d'une gamme que j'adore également, Ritual of Karma. Petit aparté. La case numéro 9 est super grosse. Ça y est. Alors, Christmas scent. Ah, alors oui, ça doit être les parfums d'ambiance. Vous savez, avec les petits bâtonnets, là. C'est sûr. Alors, je pense qu'on a un big format, pour le coup. Je l'ai... Ah non, c'est pas celle-ci. C'est le même packaging, mais j'en ai un dans mes toilettes en petit format. Je suis ravie d'en retrouver un autre. Regardez-moi ça. Et là, c'est Suède Vanilla de la collection privée. Il diffuse super bien. Nous avons un format, c'est un full size là. On a 100 ml. Et ce que j'aimerais trop tester de chez Rituals, je crois qu'ils ont, vous savez, les sphères là pour mettre les parfums d'ambiance dedans. Ça a l'air d'être génial. Si l'une de vous l'a chez elle, n'hésitez pas à laisser votre commentaire pour me dire si ça vaut le coup ou pas. Ah ouais, c'est une bonne idée ça, tiens. Petit cadeau de Noël pour moi. Le calendrier est super généreux. Hein. Donc là, case numéro 10, ce Christmas Glow. Qu'est-ce que c'est? Anti-âge avec du bacuchiol, un booster naturel. Et nous avons là, c'est peut-être un sérum pour le visage. J'essaie de deviner. Oh, je connais pas du tout. Trop bien. Ritual of Namasté, c'est un sérum booster au bacuchiol. On a 20 ml. Regardez-moi ce packaging. Ça fait très Noël. Hein. Oh, j'adore. J'avais peur que ce soit un petit peu redondant par rapport à l'an dernier, mais pas du tout. Et effectivement, nous avons à l'intérieur un sérum format pipette, donc Ritual of Namasté. Case numéro 11. J'aime bien deviner en fait. Mistletoe Moments. Ah, Protect Your Lips. Alors, c'est pour les lèvres, ça. C'est un baume pour les lèvres, je pense. Je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, vous savez quoi? On a eu un rouge à lèvres. Mes cheveux, vraiment, n'en font qu'à leur tête. On a eu un rouge à lèvres comme ça dans le calendrier de l'an dernier. Et là, j'ai l'impression que cette fois-ci, c'était un baume. Ce n'est pas teinté. C'est ce qu'il y a une teinte Peel Air. Alors, c'est peut-être Steel Peeling. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Regardez. Vous appuyez sur le petit bouton. La classe. Et comment ça s'ouvre? Ouais, c'est ça. C'est un petit baume pour les lèvres. J'ai pas d'odeur comme ça. Mais voilà, un baume à lèvres. Ça, c'est toujours utile. Surtout en période hivernale. Et puis, le packaging, il est canon. Je vous montre de plus près. Et la classe. Case numéro 12, une grande case à nouveau, Mary and Massage. Ah, c'est pour les mains, ok. Une crème pour les mains, à tous les coups. Ouais, c'est ça. C'est de la gamme Ritual of Ayurveda, donc c'est une lotion pour les mains. Donc c'est un format full size également. Et nous avons là 70 ml pour ce produit. C'est bien, franchement, il est varié. Ça vous permet de découvrir un petit peu tout ce que fait la marque. Case numéro 13, c'est censé être une bonne case, jour de naissance de mon fils. Et je vous tourne cette vidéo le jour de son anniversaire, justement. Et là, Joy for Body and Soul. Qu'est-ce que ça peut être? Alors là, franchement, je sèche. Ah, je suis pas douée là hein, pour celle-ci. Petit en dessous. Je vois pas. C'est quoi? C'est tout petit. Ah, oh non, j'aurais jamais deviné. Qu'est-ce que c'est? Ah, je savais même pas qu'il faisait ça. Alors, ça doit être une nouveauté. Regardez comment ça se présente. On dirait limite un chocolat. Alors, oui, j'ai un ongle cassé. C'est un shampoing solide. Cherry Blossom et lait de riz. Alors, je suis pas fan des shampoings solides, mais là, comme c'est Rituals. Honnêtement, je testerai. Oh, ça sent trop bon. C'est peut-être ça qui sentait aussi fort dans le calendrier. Alors là, je ne connaissais pas du tout. Vraiment trop bien. Je découvre plein de choses. Et pourtant, j'achète tout le temps ce calendrier. Pour la 14, de nouveau, une maisonnette Christmas Magic. On est sur une bougie encore? Ah non, 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 on n'est pas en dimanche là. Purifying Scalp Scrub and Shampoo. D'accord. Donc c'est un shampoing scrub à tous les coups. Trop bien. Je ne connais pas non plus. C'est un scrub et shampoing exfoliant au sucre de cristal et huile d'argan. Voilà, ça se présente comme ça. On ne voit pas grand-chose avec l'écriture.
On a quand même un beau format pour tester, hein. On a 75 millilitres. Pareil, je connais pas. Ça, c'est trop bien. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, incroyable. Cette odeur, waouh, je l'aime d'amour. Ah, trop bien. Il n'y a pas de gamme notée. Sucre de cristal et huile d'argan. Ça sent trop bon. Oh, je l'aime trop, ce calendrier. Franchement, on est à la moitié. Je suis mes fans. C'est un des rares calendriers, franchement, que j'achèterai les yeux fermés. Nous passons à la case numéro 15. Il est noté The Third. Ah, ben voilà. C'est du coup une petite bougie. Elle est là. Alors, si vous vous demandez à quoi j'ouvre mes cartons depuis tout à l'heure, en fait, c'est un marque-page, tout simplement. Mais c'est super pratique. Et nous avons là Sweet Jasmine. Je la connais, Private Collection. Donc en fait, toutes les bougies qu'on a reçues jusqu'à présent, je connais et je crois qu'on les a eues. Sent trop bon. Dans le calendrier de l'an dernier, mais moi ça ne me dérange pas parce que c'est des odeurs vraiment que j'adore et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres produits. On passe à une grosse case. Et, mais oui, moisturisation. Je m'arrête là? Ok, j'ai compris. Body cream, donc c'est une crème pour le corps. Voyons voir. Ah, je vois la gamme orange, c'est à l'orange, je crois. Ça se présente comme ça. Ritual of Mer, ça c'est super dynamisant. C'est une crème pour le corps, c'est ça. Orange douce, ça se présente comme ça. Et on a un full size, hein, je crois, 100 ml. Case 17, Driving Home for Christmas. Donc, driving, c'est pas conduire. C'est un parfum en tout cas, mais pour la voiture ou d'intérieur, je sais pas, on va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça me paraît pas. Ah, bah oui, c'est un parfum pour la voiture. Génial. Donc là, vous savez, c'est. Bah, je vais vous montrer, c'est tant qu'à faire. Hop. En plus, c'est super bien présenté, ça, je trouve que pour faire un cadeau. C'est canon et en plus la gamme, je l'aime beaucoup. Et vous avez en dessous la petite recharge. Ça, c'est top, c'est super joli en plus. Pour la gamme, on est sur la Cherry Blossom, donc fleur de cerisier et lait de riz. Vous avez deux recharges à l'intérieur. Ça, c'est génial et encore une fois, même pour les cadeaux pour Noël, c'est une super bonne idée. Commence à faire chaud avec mon pull, je ne vous le cache pas, mais aujourd'hui, il faisait tellement froid. En tout cas, en me levant ce matin. Case numéro 18, Merry Meeting. Bon, alors là, on a en tout cas, je vois un packaging en carton à l'intérieur. Et nous avons. Qu'est-ce que c'est? Oh, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. On l'avait eu l'an dernier aussi, je crois. En fait, c'est une lessive. Softener and Scent Booster. C'est la fleur de lotus et jujube. Ah, ça, c'est génial. Donc, il y a de quoi faire, je pense, deux machines. On a combien de millilitres? On a 75 millilitres. C'est ça, c'est une lessive. Ça, j'aime trop. Quand je vous dis que ce calendrier est top, il est hyper varié, moi. Il m'enchante tous les ans. Case numéro 19, elle est juste énorme et très, très lourde. Wondrous Christmas. Ah, c'est un parfum de maison, je crois, encore. Alors, voyons voir. Ah, c'est un spray, ça, c'est sûr. Oh, génial. Je suis trop contente. C'est donc un parfum d'intérieur, tulipe et yuzu japonais. Ça sent trop, trop bon. Ça, c'est génial. C'est un parfum, ouais, d'intérieur de la collection Amsterdam. Elle est divine, cette collection, vraiment. Ça sent trop bon, quoi. Case numéro 20. Nous avons une case assez lourde. Christmas Bliss. Eucalyptus et huile d'argan. Ah, une mousse de douche. Je pense que c'est ça. Ça doit être une mousse de douche. J'adore les mousses de douche. Ah, je connais pas ce packaging. Ritual of Hammam. Ah, d'accord. Alors, c'est une lotion en mousse pour le corps. Eucalyptus et huile d'argan. Donc là, c'est un petit peu plus masculin à mon sens. On a 150 millilitres. Alors ça, j'ai bien hâte de tester du coup, parce que je ne la connais pas. Case numéro 21, une petite case. Ah, The Just Bracelet. Un bracelet. Alors là, par contre, si c'est un bracelet, je suis déçue. Je ne me souviens plus trop, j'ai regardé le contenu. Là, je crois qu'il y a eu un bracelet. Ouais, mais bon, non, c'est pour découvrir. Ouais, c'est ça.
Bon, on va voir comment il est, le bracelet à l'intérieur. On est dans les tons bleu nuit et doré. Alors, voyons voir. Ouais, alors non, là, je suis super déçue, franchement, vu le prix. Ok, dans le petit calendrier, mais pas dans le gros comme ça. Ah, il est comme ça. Bon, il est joli, hein, il y a des petits pompons là derrière sur la croche. Bon. Ok. Déception. Je pense que ça se lit sur mon visage. Alors moi, je ne sais pas faire semblant, hein, pour le coup. Non, ça, c'est pas possible, Rituals. Non, non, non. Je suis pas d'accord là. Bon, une case gâchée. Case numéro 22. Et nous avons une bougie pour le troisième, quatrième. Et au combien? Je sais plus. Enfin, pour un dimanche, quoi, du mois de décembre. Et c'est la gamme Suède Vanilla. Alors, les bougies, je ne sais pas si je vous ai donné le grammage et si c'est noté. Non, c'est pas noté. Ça sent trop bon. Vraiment divine. 23, de nouveau un petit sapin. Ils sont trop beaux ces sapins. A dash of élégance. Huile, séduction et poivre rose. Ah ben oui, c'était un parfum. Alors, on avait eu le rose l'an dernier. Et là, je le connais pas. C'est un packaging un peu violet. Je sais pas si l'odeur pourra me... Ah, oh, ça sent super bon. Oh, dis donc. Ah, on retrouve bien l'odeur de figue. Super étonnée. Ça sent très bon. Alors, s'il y a des parfums, petite astuce, hein, peut-être que vous l'aviez déjà, mais qui ne vous correspondent pas, vous pouvez l'utiliser pour un parfum de voiture ou mettre dans les toilettes, voilà. Mais moi, j'aime bien. Ouais. C'est chaleureux, ça sent super bon et c'est Nuit de l'Himalaya. Je ne connaissais pas. Oh, ça sent super bon. Bon, en attendant, je n'ai pas de casse. Donc, rien à couler. C'est juste que le calendrier embaume, mais de fou. Case numéro 24. Christmas Surprise. C'est une nouveauté et une édition limitée. Infusée avec de l'ambre et des myrrhes. MYRRH. Je traduirai. Je ne sais pas ce que c'est. Multi, mûr. Aucune idée. Oh, nouveauté, trop bien. Waouh. Franchement, canon. C'est une mousse de douche, amber et fameux myrrhe, que je ne sais pas ce que c'est. The Alchemy Collection. Waouh. Alors franchement, la dernière case, mais j'adore. En plus, une nouveauté, je trouve ça super et un full size. Ça sent trop bon. Je vais sniffer ça toute la journée. Waouh! Donc peut-être qu'ils vont sortir d'autres produits de cette gamme hein, sur le site prochainement. Trop bien, franchement. Et je crois qu'on était sur 24, hein, 24 cases. C'est bien ça, nous sommes donc sur un calendrier 24 cases. Verdict de ce calendrier, comme tous les ans, j'en suis mais fan. Je vous rappelle que vous avez différents types de calendriers avec différents budgets, lui étant le plus gros contenant le plus de full size. Dans l'intermédiaire, vous allez recevoir quelques full size et dans le tout petit, il n'y a pas de full size hein, du tout. Et il me semble qu'il y a encore une autre version cette année. À vérifier, de toute façon, je vous aurai tout intégré à l'écran. Je vous rappelle qu'avec l'application Joco, en tout cas sur le gros, ça vous fait au moins 13% de cashback. Le cashback, c'est quoi? C'est une somme en fait qui vous est remboursée sur votre achat. Donc, que vous pourrez soit virer à partir d'un certain montant, 20-25 euros, je crois, sur votre compte, ou utiliser un ticket cadeau sur l'enseigne de votre choix, et il y en a pas mal. En tout cas, ce calendrier est fantastique tous les ans, je le commande, comme je vous le disais, et je suis pas déçue parce que c'est pas redondant, on a des nouveautés, c'est hyper varié, autant pour le corps, pour la maison, il est top, juste grosse déception. Mais c'est pas ce qui m'a empêché d'acheter ce calendrier parce qu'il est tip top, j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye mes clochettes.